Eh bien non, la vidéo d'aujourd'hui ne sera pas du tout à propos de la course à pied, bien que ce soit une passion, et peut-être qu'on en parlera d'ailleurs dans cette vidéo. Mais l'objet de cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que c'est aujourd'hui mon anniversaire. Je profite de cette vidéo justement pour faire un petit bilan sur le côté business, YouTube, ma vie en général. Et je vous ai demandé aussi sur Instagram de me poser des questions, donc je vais y répondre tout au long de cette vidéo. D'ailleurs, cette vidéo est sponsorisée par Artlist, je t'en parle tout à l'heure. Donc du coup, j'ai avec moi mes anti-sèches. Alors l'année 2023 sur YouTube, jusqu'à présent, c'est 53 vidéos, 294 000 vues, plus 3 000 abonnés pour des revenus estimés à environ 1200 euros. Donc je vais faire un petit bilan et puis parler de l'avenir de la chaîne. Alors pour ce qui est du bilan, il est vraiment positif. Moi, je kiffe vraiment ce que je fais sur YouTube. Donc du coup, j'en avais parlé lors d'un précédent bilan. Cette chaîne prend le tournant que j'avais espéré, c'est-à-dire plus de tests de matos. C'est vraiment ça qui m'intéresse au plus haut point. Moi, je suis vraiment un gros geek de matériel et je suis content d'arriver à un point où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment avoir des contacts auprès des marques et tester tout le matos que je te présente sur cette chaîne. Alors il y a des trucs que j'ai voulu tester un petit peu cette année sur ma chaîne, notamment le format de Focus Hebdo. Donc ça, c'est un format où chaque semaine je traite des actualités liées au monde de la photo et de la vidéo. Ce format-là, il me permet de rester au contact des actualités, de te les présenter et d'en parler sans trop rentrer dans les détails parce qu'il faut que ce soit un format qui soit assez court et dynamique. Ça, c'est un petit problème selon moi parce que j'aime bien approfondir et prendre le temps d'expliquer chaque chose, chaque sortie matos, prendre le temps de décortiquer tout ça. Du coup, j'en suis arrivé à un point aujourd'hui où j'ai plus trop envie de faire ces épisodes, j'ai plus trop envie de traiter ces actualités vraiment en deux ou trois phrases. C'est pourquoi j'ai décidé d'arrêter tout simplement ce format. Je n'en ferai plus du tout sur cette chaîne, et si jamais je décide de traiter des actualités, j'en parlerai vraiment dans des vidéos un petit peu plus dédiées dans lesquelles je pourrais vraiment prendre le temps de m'attarder sur ces sujets là mais pour l'heure, le format Focus Hebdo s'arrête là. Je crois que j'ai fait 17 épisodes. Le 18e était déjà écrit, mais j'ai pas eu envie de le tourner ni de le monter. Et depuis le mois de juin, en gros, j'ai pas pu souffler une seule minute. Donc plus trop le temps, plus l'envie. Ce qui fait que c'est déjà deux bonnes raisons pour arrêter ce format-là. En tout cas, je sais que c'est un format qui a fonctionné, mais moi, je me sentais plus trop aligné avec le fait de juste dire des actualités pour les dire. Je sais que ça fait des vues, mais j'ai vraiment pas besoin de ça pour être épanoui sur ma chaîne. Je préfère rester à des formats un petit peu plus classique entre guillemets sur du test de matos. Autre format qui a quasiment disparu de ma chaîne cette année, ce sont les podcasts. Il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il y a eu un ou deux épisodes qui sont sortis, je sais plus très bien. Mais en tout cas, c'est un format que j'adore faire, que j'adore toujours autant tourner. J'adore partir à la rencontre justement de mes invités. Seulement, la réalité, c'est que les personnes que j'invite ont toute une vie, ils sont tous très occupés. C'est le cas également pour moi, je suis très occupé et c'est pas facile de coordonner tous les plannings des uns et des autres. Surtout que les invités que j'aimerais avoir sur ces épisodes sont le plus souvent assez éloigné de moi, ce qui fait que c'est aussi des dépenses, un budget que j'ai pas envie forcément d'allouer à ces épisodes, ce qui fait que ça rend la tâche assez compliquée et j'ai pas envie de m'imposer un rythme que je ne pourrais pas tenir. Donc du coup je décide pas d'arrêter les podcasts. Il y en aura à l'avenir, ça c'est sûr, je sais juste pas encore quand, mais c'est sûr que c'est un format que j'ai pas envie d'arrêter sur ma chaîne parce que j'adore tellement partir à la rencontre de ces personnes là et j'adore aussi les retours que vous me faites sur ces épisodes. Ça motive justement à découvrir d'autres personnes et partir à la rencontre de nouvelles têtes. Donc ce qui m'amène à parler de l'avenir de cette chaîne. Alors qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir sur ma chaîne à l'avenir ? Alors déjà, petite chose, j'espère passer les 10K avant la fin de l'année. Abonne-toi si jamais c'est pas déjà fait d'ailleurs. Non, par contre, plus sérieusement, ce qu'il faut s'attendre à voir, c'est de plus en plus de review matos. Moi, c'est quelque chose qui me passionne, tu l'as compris, depuis quelques mois, quelques années maintenant. Je développe de plus en plus de contacts auprès des marques aussi, elles me font confiance. Je pense qu'elles apprécient les vidéos que je produis sur leur matériel. Moi, j'essaye de rester le plus objectif possible. C'est vraiment le maître mot de cette chaîne. C'est vraiment ce que je suis au plus profond de moi. Donc, j'essaye de faire en sorte à ce que mes reviews soient le plus objectif possible. Donc, je vais développer cette chaîne autour de ça, comme je le fais depuis quelques années maintenant. Donc, il faut s'attendre à voir de plus en plus de review matos.
D'ailleurs, j'en profite pour vous demander quel type de matos vous aimeriez me voir tester sur cette chaîne. Moi, c'est vrai que j'essaye un petit peu de me diversifier, mais je sais pas exactement ce qui plaît, ce qui plaît pas. Je le vois en termes de nombre de vues et en termes de retours dans les commentaires, bien sûr. Mais j'aimerais bien avoir un peu plus de vos retours en commentaire pour savoir ce qui vous plaît et ce qui vous plaît moins. Voilà. Alors du coup, côté pro, tout fonctionne super bien. Hein. Je suis parti sur des meilleures bases que l'année dernière niveau chiffre d'affaires. Là, on est au mois d'août et j'ai déjà quasiment dépassé le chiffre d'affaires de l'année dernière. Et il reste encore 4 mois dans l'année, donc je suis vraiment très très bien. Je suis très content de cette lancée. L'avantage aussi d'avoir beaucoup de matos à tester, c'est que je m'en sers forcément côté pro et ça alimente pas mal mes vidéos sur YouTube. Donc ça diversifie aussi mon contenu sur internet, donc c'est vraiment quelque chose de doublement positif pour moi. Je suis tout seul à tout gérer, hein. Je fais mes montages moi-même sur YouTube, forcément le pro c'est pareil, je gère tout aussi. Donc c'est vraiment pas évident de tenir une cadence de une vidéo par semaine, quasiment la moitié de l'année à deux vidéos par semaine avec le focus hebdo. Mais voilà, je m'en sors vraiment très très bien cette année, je suis très content, on est sur une très bonne lancée et j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve parce que j'ai plein d'idées en tête. J'en parle pas pour l'instant, j'espère juste de voir si ça peut se concrétiser ou non. Alors du coup, on arrive sur la partie Q&A. Je vous ai demandé de me poser plusieurs questions. Ta meilleure expérience sur YouTube ? Qu'est-ce qui te plaît le plus sur YouTube ? C'est quoi tes ambitions sur YouTube ? Allez, c'est l'occasion pour moi de te parler du sponsor de la vidéo du jour qui est Artlist. C'est simple, toutes les musiques que tu entends dans mes vidéos, tous les effets sonores que je peux utiliser, tout ça, ça provient d'une seule plateforme, Artlist. C'est la plateforme que j'utilise depuis des années maintenant, que ce soit pour mes projets pro ou perso. Il y a différentes offres de dispo qui correspondent à des besoins différents, donc ça c'est vraiment très cool. Ce qui est encore plus cool, c'est que récemment, ils ont sorti VoiceOver, donc ça, c'est une génération de voix off basée sur du texte. Au départ, c'était dispo uniquement en anglais, mais depuis, c'est dispo dans d'autres langues comme le français, l'espagnol, l'allemand. Il y aura d'autres langues qui viendront à l'avenir. Il y a même d'autres exemples de voix qui ont été rajoutées en anglais, donc ça, c'est cool. Ça veut dire que c'est une feature qui est en constante évolution, ça, c'est trop, trop bien. Donc, tu peux modifier l'expression, la similarité avec la voix de base et aussi le style pour avoir une voix un petit peu plus exagérée. Tu peux modifier ça à l'infini. Alors, il y a des dizaines de manière dont on pourrait utiliser cet outil. Moi, je pense notamment à du travail de pré-prod pour, par exemple, présenter une ébauche de vidéo à un client ou bien carrément une narration complète de vidéo. Si jamais ta voix à toi, elle te plaît pas, tu prends une voix de voice-over et tu peux t'en servir dans ta vidéo. Donc, dans mon cas, aujourd'hui, moi, je m'en sers pour lire les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Je trouve que c'est un outil très pratique pour ça et ça change, ça me permet de ne pas lire les questions avec ma voix. Donc si jamais ça t'intéresse de passer sur Artlist, sache que tu peux bénéficier de 2 mois offerts grâce au premier lien qui se trouve dans la description. Un grand grand merci à Artlist de sponsoriser cette vidéo et de soutenir mon travail sur cette chaîne. On reprend avec le Q&A. Alors j'ai décidé de regrouper ces 3 questions en une. Alors ma meilleure expérience sur YouTube, j'ai pas une seule expérience qui me vient en tête, c'est vraiment l'expérience YouTube en général qui fait que c'est quelque chose de mémorable pour moi. Je suis quelqu'un de très introverti, c'est pas facile pour moi de devoir me livrer comme ça sur internet et c'est quelque chose que j'ai réussi à faire. Je suis vraiment hyper content de moi parce que c'est pas quelque chose de facile. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui pourront en témoigner. Au départ, c'est quelque chose de très très compliqué, mais petit à petit, on arrive à se débloquer. La preuve, là, je suis dans une ville, un petit village touristique où il y a pas mal de personnes autour de moi et ça me dérange absolument pas de parler comme ça au milieu de tout le monde. Chose que il y a quelques années j'aurais été absolument incapable de faire. Donc c'est vraiment au-delà du côté test matos, ces produits high-tech, tout ça c'est cool. C'est vraiment l'expérience humaine qui fait que je kiffe vraiment ma présence ici sur YouTube. Le côté humain et aussi les rencontres qui en découlent tout simplement. Hein. Donc toutes les rencontres que j'ai pu faire grâce à YouTube font partie de ma meilleure expérience sur cette plateforme. Ce qui me plaît le plus, je viens de le dire, ce sont les rencontres. Et pour ce qui est des ambitions, j'en ai parlé en première partie de vidéo, c'est vraiment de développer tout ce relationnel avec les marques pour que les marques voient mon travail, qu'elles me fassent confiance et qu'elles me prêtent ou me donnent, peu importe, du matos à tester pour que je puisse vous le présenter. C'est vraiment ce vers quoi j'aimerais diriger la chaîne à l'avenir et je vais concentrer tous mes efforts afin d'y arriver. Comment se passe ton business de manière générale en vidéo ? Alors j'ai déjà un petit peu répondu à cette question sur la partie business, entreprise et tout ça.
Mon business se passe très très bien en vidéo cette année. J'ai déjà atteint le CA de l'année dernière alors qu'on est qu'au mois d'août. Il reste encore 4 mois et j'ai déjà pas mal de visibilité aussi sur cette fin d'année. Donc le business se passe très très bien. Si la question est plus axée sur la gestion du business, bah, à savoir que je suis en auto-entreprise. Donc auto-entreprise, il n'y a pas forcément beaucoup d'administratifs à faire. Hein. C'est vraiment des déclarations URSSAF à la fin du mois. Et du coup, bah, le reste du temps, je le passe à créer des vidéos pour des clients. Vidéo ou photo hein, d'ailleurs, c'est vraiment aussi simple que ça. Et chose à savoir en plus, c'est que cette année, par chance, je n'ai jamais eu à démarcher. Je sais même pas si j'ai eu à démarcher en 2023, mais en tout cas en 2024, c'est sûr et certain, je n'ai jamais eu à démarcher parce que souvent, c'est des clients récurrents qui viennent ou alors bah, c'est des clients qui me découvrent grâce à d'autres clients. Donc vraiment, le bouche à oreille, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment. Hein. Donc si jamais vous trouvez pas de clients, n'ayez pas peur. Faites-vous un portfolio et un beau jour, alors que vous vous y attendrez pas du tout, il y aura quelqu'un qui vous enverra un mail, un message, peu importe, ou qui vous appellera sur votre téléphone et qui vous proposera un contrat qui vous fait kiffer. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui s'est passé de mon côté de nombreuses fois cette année. Quasiment tous les contrats que j'ai faits, c'est des gens qui m'ont trouvé par recommandation ou alors sur Internet. Je n'ai jamais eu à démarcher et j'en suis conscient, c'est un vrai luxe et c'est quelque chose que je souhaite vraiment à tout le monde. Quel est ton ressenti sur le Canon R7 côté vidéo, dynamique et qualité d'image ? Alors, mon ressenti sur le Canon R7, moi, je le trouve vraiment excellent. C'est un super boîtier. Le seul problème de Canon, c'est la plage dynamique en vidéo. Le C-Log3, bah, c'est quelque chose qui n'est pas assez dynamique à mon goût quand on veut filmer en log. J'espère qu'on verra un R7 Mark II prochainement. Un test du R5 II ? Un test du R5 II, bah bien sûr, j'aimerais beaucoup que Canon m'envoie un R5 II. D'ailleurs, Canon, si vous regardez cette vidéo, sachez que je suis preneur hein, d'un R5 II. Forcément, c'est quelque chose que je compte tester d'ici la fin de l'année, il n'y a aucun doute là-dessus. Est-ce que tu seras au salon de la photo ? Oui. Que penses-tu du Nikon Imaging Cloud ? Aucune idée, j'ai jamais testé. Qu'est-ce que tu achèterais comme matos si tu avais 200 000 euros à dépenser en cam ? Wow, alors ça c'est un gros budget. Franchement, si j'avais autant d'argent à mettre dans un setup, je choisirais pas forcément le setup le plus cher, tout simplement parce qu'il faut savoir s'en servir. Je pense que j'investirais dans une caméra avec un maximum de plage dynamique et avec un workflow assez agréable. Donc là, récemment, j'ai testé la Canon C400, qui est une des toutes dernières caméras de la marque Canon. Ça pourrait également être une RED, mais je connais pas très bien cet écosystème. J'ai jamais utilisé de RED de ma vie, donc je préfère rester sur quelque chose que je connais et que je sais utiliser. Donc vraiment, il n'y aurait qu'une toute petite partie du budget qui serait allouée à la caméra, le reste serait consacré aux objectifs. J'accorde beaucoup plus d'importance aux objectifs, donc là pour le coup des objectifs ciné ou alors des anamorphiques pour avoir un look vraiment unique. Et le reste du budget, parce que ça dépassera clairement pas les 200 000 euros, sera consacré au savoir-faire humain, donc un preneur de son, un monteur, un étalonneur, enfin bref, toute une équipe complète de personnes, parce que bah, il vaut mieux des gens très compétents sur une seule tâche plutôt que des gens moyennement compétents sur plusieurs tâches. Niveau musique, un projet d'album indépendant de prévu ou un concert vers chez nous ? Alors c'est vrai que je ne parle pas du tout de musique sur cette chaîne. Alors j'ai pas de projet indépendant de musique, j'ai un groupe de musique, mais j'en parle pas beaucoup. Alors je vais en parler prochainement sur cette chaîne, tu comprendras pourquoi. Donc que ce soit pour les projets d'album ou de concert, tout ça, je t'invite à suivre les actualités du groupe, tout simplement. Ton clip de musique préféré, en termes de vidéo, colorimétrie, style, etc. Alors on va pas dire que j'ai un clip préféré ever et c'est toujours celui-là, il n'y a jamais de top 1 qui le surpasse. J'ai souvent des coups de cœur on va dire en ce moment et ça fait un petit moment que j'ai pas vu de clip le détrôner. C'est le clip de Landmarks, la chanson s'appelle Créature, je te mets le lien dans la description. En termes de direction artistique, d'histoire, de lumière, de colorimétrie, vraiment tout y est, même les cadrages, tout ça, tout y est. C'est vraiment un exemple de créativité. Donc Landmarks, c'est un groupe français. Ça a été réalisé par celui qui réalise tous leurs clips. C'est un vidéaste russe, il me semble. Et Le Turc aussi, qui est un photographe vidéaste français. C'est vraiment un super clip. Je t'invite vraiment à aller le regarder. Qui sont tes inspis sur YouTube ? Alors c'est vrai que YouTube, c'est un petit peu ma télé à moi. Je consomme énormément de contenu sur YouTube depuis bien des années maintenant. Donc mes inspirations, elles varient énormément parce qu'il y a pas mal de contenus différents que je consomme, que ce soit de la musique, du skate, de la revue tech, matos, tout ça. Donc si jamais je devais citer un top 3, je pense que le numéro 1 serait Damien Bernal. J'adore le ton qu'il emploie dans ses vidéos et son impartialité.
Numéro 2, je vais pas être très original, mais Marques Brownlee. Pour moi, c'est vraiment le top niveau en termes de qualité de contenu et d'intelligence dans les reviews. Et en 3, c'est dommage, j'ai fait plus trop de vidéos, mais Potato Jet, j'adore cette chaîne, j'adore son humour. Il est très calé aussi niveau review, tech, matos, tous les styles de matos, aussi du drone, tout ça. Enfin, j'adore vraiment son univers, son esprit. C'est juste un petit peu dommage maintenant qu'il fasse de moins en moins de vidéos. Mais voilà, si jamais je devais faire un top 3 à l'heure d'aujourd'hui, le 20 août 2024, ce serait ça. Peut-être que demain, ce sera différent. Est-ce que tu as un objectif particulier ou c'est juste pour le fun? Et du coup, on va terminer cette vidéo comme elle a commencé, c'est-à-dire sur ce ponton. On va parler un petit peu de running. J'ai reçu quelques questions à ce propos. J'ai commencé le running il y a tout pile 2 ans, à l'aube de mes 30 ans. C'est quelque chose que je ne pensais pas du tout être une passion. Ça l'est devenu petit à petit. Au départ, je détestais ça. Maintenant, j'adore ça. Je fais quelques courses par-ci par-là, rien de bien méchant. Là, je suis en train de me préparer pour un 7 km et un 10 km dans quelques mois. Je prévois de faire un marathon en 2025. J'ai déjà fait un semi et quelques petites courses par-ci par-là, donc vraiment rien de bien méchant, hein. Je fais ça vraiment pour m'entretenir, pour être en forme. Je prétends pas du tout avoir un gros niveau, même s'il y en a qui me disent que mes allures sont plutôt pas mal. Moi, je me contente de courir et de ne pas me blesser, parce que ça, c'est quelque chose qui arrive de temps en temps, je me blesse. En ce qui concerne la course, j'ai pas forcément d'objectif sur le long terme, j'ai des envies. Je me mets pas forcément de limites, et en même temps, il faut que ça reste du plaisir aussi. Je m'entraîne à hauteur de 3 fois par semaine, donc sur des petites distances, entre 5 et 10 km en général. Et puis le dimanche, c'est une sortie un petit peu plus longue. Donc voilà, je te remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je te retrouve d'ici quelques semaines pour la reprise du planning normal à partir du mois de septembre. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère vous voir de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Je serai présent, comme je l'ai dit, au salon de la photo. Tu en sauras un petit peu plus prochainement. Je t'invite aussi à me suivre sur Instagram. C'est là où je suis le plus actif et où je partage mon quotidien. Je ferai des stories aussi à ce propos. Quoi qu'il en soit, n'hésite pas à t'abonner. Moi, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.